Our time is short. Our days counted. These tales of the past, they tell of our hubris. Of victory at all costs. Of unleashing forces we could not control. The darkness has conquered all. This realm is lost. I must return. I must change what was. I am our last hope. C'est Superbe 88, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation et de gameplay du nouveau champion, Atlas, l'intemporel. Alors on va déjà regarder son lore. Dans le futur, il n'y a plus aucune lumière, les ténèbres règnent sur la création, le royaume est perdu. C'est dans cet univers que naquit Atlas, le fils d'un juge légendaire, donc... le juge légendaire Selex. Chaque jour, il devait combattre pour sa survie. Chaque soir, c'était dans les contes évoquant le royaume d'antan qu'il trouvait un peu de réconfort. Ses récits redonnaient espoir aux habitants du royaume. Hélas, le combat ultime contre les ténèbres échoua dans des circonstances tragiques. Il n'y avait plus d'espoir, ou presque. Atlas étudia d'anciens aux ouvrages traitant de la magie du cristal, jusqu'à maîtriser le temps lui-même. Et il découvrit ce qui entraîna la ruine de ce monde. Puis il retourna dans le passé, déterminé à sauver le royaume en changeant le cours de l'histoire. Donc un personnage très intéressant qui est dans le rôle de tank, il a 3500 PV. Donc on va voir ses compétences. Et on est parti dans la présentation de ses compétences. Donc on va déjà commencer par le tir principal. Pardon, je bug. Qui se nomme canon à chronon. À chronon, ce sont des dégâts directs. Donc c'est une arme futuriste implantée à votre bras. Autrement on s'en fiche, ça c'est une description. Ces tirs infligent 900 de dégâts. Alors, attendez, voilà, 900 de dégâts, donc ça fait inflige 900 de dégâts et se recharge pendant 1,5 secondes au maximum afin de gagner une précision. Voilà. Donc voilà, on a ça. Et en fait, en une compétence, eh ben, il y a deux tirs. En un tir, en fait, il y a deux tirs. Donc en fait, si vous cliquez sur la touche, juste ça va faire un jet de balle qui va faire 900 de dégâts. Comme ça. On peut faire des tirs dans la tête, bien sûr, ça fait très très mal dans la tête. Ça fait du 90 par balle, par jet de balle. C'est très très puissant. Donc voilà. Et si on maintient la touche, boum, ça va faire... du 900 de dégâts comme ils disent. Voilà. Et sur la tête ça fait 1350. Ça fait très très mal. Regardez. En deux tirs je tire une ligne hein. Je tue une ligne. Donc voilà. Ensuite il y a le tir secondaire qui se nomme contre-temps. C'est une décharge chrono-énergétique qui renvoie l'ennemi touché 4 secondes dans le passé, ces PV reprennent la valeur la plus faible qu'ils ont eu pendant cette durée. Donc on va prendre l'exemple par le pipe. Voilà. Par les pipes. Donc voilà, il y a le pipe. Et là, hop, je le renvoie. Donc il faut savoir, c'est une sorte de projectile. Hein. C'est un projectile. Et ça se recharge toutes les 12 secondes. Donc, attendez. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est sympa. C'est très 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 fort. Ensuite, il a un wall, un mur pour les Français. Il se nomme mur de stase.
Vous érigez une barrière temporelle qui absorbe toutes les attaques à distance pendant 5 secondes. Oui, ça peut bien aussi cancel un ultimate. Ouais, non, 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 je ne blague pas. Ça cancel un ultimate. Regardez, voilà, on voit les flèches là qui est en train de d'être ralenties. Voilà. Donc voilà, c'est très intéressant. Ensuite, on a la compétence retour en arrière. Donc on fait un bond de 5 secondes dans le passé et nos PV reprennent la valeur la plus faible qu'ils ont eu pendant cette durée. Donc attendez, je vais vous faire un petit truc après. Donc imaginez, ah là là, je me balade, tac, je tape des petits culs, voilà, et là, hop, whitt, voilà, ça me remet dans le temps où j'étais il y a 4 secondes. Donc voilà, c'est sympa, et c'est très très fort. Regardez, je vais vous faire un petit truc. Attendez, tac. J'ai pris cavalier, tac, 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 et attention. Waouh, ça c'est super sympa. Donc voilà, voilà, j'aime bien. Et ensuite, son ultimate, il se nomme exil temporel. Ce sont des dégâts de zone. Donc on surcharge notre arme. Au tir d'armes bannissent alors les ennemis pendant 4 secondes. Ils changent de dimension et ne peuvent plus interagir. Donc en gros, tu te fais bloquer. Donc attendez, je vais bloquer un pipe. Voilà, c'est un projectile. Si on loupe, voilà, ça tue par la balle. Attendez, je vais essayer de. Tac. Piou. Et là, piou. Et là, en fait, on peut doubler un effet sur un autre pipe. On peut doubler l'effet. Bon, je me suis loupé. Et regardez. Voilà, voilà, on peut mettre deux fois sur la même personne. Et là, broum, tu le remets dans le temps. Enfin bref, le gars, en fait, il souffre, quoi. Et ensuite, après, il y a quelqu'un qui va te mettre de l'eau. Et là, vrrrt, hop là, nique ta mère. Donc voilà, c'est vrai, ça fait très très mal. Voilà, petit mur. Sympatoche. Alors les talents, on va déjà commencer par la division temporelle. Alors c'est le mur de stase, donc le bouclier. Et il est beaucoup plus grand, mais se recharge 50% moins vite. Alors ça c'est très très fort. Ça c'est très très fort. Alors il est beaucoup plus grand. Ça fait la taille de la map. Donc voilà. Hop, attendez. Voilà. Voyez, ça prend. Ah non, même pas. Je pensais que ça faisait toute la map. Ah oui, oui, parce que. Oui, oui, parce que. En fait, c'est le stand de tir. En fait, il est bugué. ne faites pas attention. Voilà, c'est juste le stand de tir. Il est bugué. Bugué du cul. Donc, voilà. Mais, le mur, en fait, il fait bien toute la map. Attendez. Si je fais ça. Ah, voilà, là, ça marche, là. Vous voyez, là, ça fait toute la map. Bon, là, il y a le mur, donc on peut pas voir, mais ça faisait tout ça. Tout ça, là. Voilà, ça faisait tout ça, en fait. Voilà, c'était sympa. Ce serait très fort. Ensuite, il y a la carte déjà vue. Donc, c'est la carte, je trouve, qui est la plus forte. C'est contre-temps. Donc, c'est la petite boule qui renvoie l'ennemi où il était il y a 4 secondes. Donc en fait ça tire plus un dégât direct, ça tire en dégâts de zone. Et donc ça veut dire, qui dit dégâts de zone, qui dit ça peut atteindre plusieurs ennemis. Donc on va voir avec les pipes dans un instant. Boum. Voilà. Voilà, ça fait les deux pipes. Donc c'est drôle. C'est drôle de les voir. Boum. Voilà, donc voilà. Moi je trouve que c'est la carte la plus forte, forte, forte du jeu. Vous allez voir dans le gameplay, c'est très très fort. Et ensuite, la fissure instable. Ouais, ça passe encore. Ça c'est pour jouer Atlas Fun. C'est retour arrière. Donc retour arrière, c'est quand vous revenez il y a 4 secondes. La position où vous êtes il y a 4 secondes.
Donc retour en arrière laisse à votre emplacement initial une fissure instable qui explose après 3 secondes et inflige 900 de dégâts de zone. Donc regardez, hop, je me téléporte, incroyable du cul, et là il y a un truc là. Ploum, ça fait 900 de dégâts. Voilà, et après on peut taper. Voilà, on peut taper. Incroyable. Donc voilà. Je vais vous présenter un petit deck qui est fort sympathique. Donc déjà un petit deck où on doit prendre déjà vu. Et le deck là, ancienne blessure. Donc déjà pourquoi vous mettez paradoxe, obligé qu'un atlas et paradoxe si il joue s'il joue déjà vu. C'est obligé, obligé, obligé. Parce que au moins c'est cheaté, ça se recharge plus vite et au moins c'est plus fort. Ensuite, il y a ancienne blessure, donc qui dit tant que qui dit avoir plusieurs PV et plus de PV, donc c'est mieux. Ensuite, retour en arrière vous rend 150 PV de plus. Donc déjà que ça heal normalement par défaut. Et là avec la carte là ça va un peu plus heal. 150 PV, donc voilà. On rajoute un petit peu de PV avec réalité potentielle. Ensuite ravage du temps. Contre temps renvoie les ennemis 0,6 de plus dans le passé. Donc contre temps contre temps c'est non, retour arrière, je vous ai dit des conneries. Retourner en arrière, en fait, c'est quand vous retournez en arrière. Voilà. Et contre-temps, ça renvoie les ennemis plus longtemps dans le passé, en fait. Donc ça, c'est très très fort. Et ensuite, on a lointain souvenir qui fait en sorte que à moins de 50% de PV, les soins que vous procurent les autres joueurs augmentent de 10%. Donc voilà, c'est bien. Donc voilà, le deck là, il est très intéressant. Parce qu'au moins, ça se recharge plus vite. Et ça envoie plus longtemps un ennemi. Voilà, donc voilà. Et au moins, on a plus de PV, là. On a 4250 au lieu de 3500. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. On se retrouve dans la game. A tout de suite. Et on est parti dans la game. C'est parti, donc on va prendre le talent déjà vu. Et bien sûr le deck. Voilà, je vous inspecte encore l'arme. Ah, je vous inspecte l'arme. Pourquoi encore? Voilà. La petite émote. Voilà. Très basique. On va prendre Chronos, hein, de toute façon, on va partir sur Chronos et si la Furia elle part sur un île rayon, bah, cotalisé. Logique. Et je crois qu'on va prendre aussi Ava. Voilà. Voilà, t'as tué ta mère. Hop, voilà. Au moins, j'ai plein de PV. Merde. C'est dur, hein, donc. Merde. Oh, putain. Je suis un handicapé du cul. Bon, en même temps, c'est la Ying, elle joue... La Ying, elle joue dégâts, c'est super. J'ai l'impression que c'est un bot. En fait, non. Arrêtez de jouer des unités concentrées. Dégage. Ah
non! L'étourdissement qui m'a fait bouger. Oh non! Enfin, c'était la charge en fait qui m'avait fait pousser. Et boum, le tir dans la tête. C'est vrai que c'est chiant, hein, les Ying qui jouent pas à heal là, du dégât. Merde, c'est vrai, c'est le shield, ça annule l'effet là. Et boum! On a gagné la manche. Nice job. D'accord, on va partir sur avant. Bit outdated, but it'll do. Ouais, donc j'ai acheté le Battle Pass, hein, je suis content de mon achat. Y a aucun bug de skin pour l'instant, je suis content. Donc voilà. Attends. Voilà. Ok, c'est bon. Sorry. On my way. Non! Ça a annulé mon ultimate, mon étourdissement. On va caper le point. Point central. Oh le tir! Oh ce tir! Oh ce tir de génie! Ouais, on va gagner. Super. Bon, c'est sûr que si je parle... C'est normal que je parle pas parce que je suis concentré. Non, c'est pas possible! Oh non! J'étais étourdi donc j'ai pas pu... Oh putain. Enemy killing spree. Enemy killing spree. Dommage. You're already dead.
Enemy double kill. Let's get him gone. Non. Mais non. Oh, je suis dégueu. Bah je m'en fiche, Khan, j'ai mon retour en arrière. Oh, la bouffe de génie. Oh là là. Oh, par contre, la bouffe de génie, j'ai fait. You fight like an elf. 5, 4, 3, 2, 1. Need healing, please. You rock. No. Yes. No. You yes. Fight like an elf. Cancel that. Which one wins? Et voilà, c'est la victoire, c'est cool. Ouais, c'était une bonne partie, c'était une bonne partie. Bon, bah voilà, c'est pas dégueulasse, hein, en dégâts, ouais, de toute façon... Protection, j'ai rien fait. Ah bon. Ah, le bouclier compte pas en protection. Parce que c'est un bug. Je sais pas. Et bien voilà, l'amigo. J'espère que cette vidéo de présentation et de gameplay d'Atlas vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. Et me suivre sur Twitch, car je live tous les week-ends, à les vacances et tous les soirs. C'est Despervo88, et je vous dis ciao.